Ciao, ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un rituel pour vous, d'accord, pour annuler une sorcellerie noire qui a été faite avec une bougie noire. Parce que j'ai une de mes abonnées, une dame qui lui a dit pour purifier, pour enlever la sorcellerie noire, il faut utiliser une bougie. Si, mais pas n'importe comment. On ne va pas lui prendre une bougie noire et on va l'allumer. Non. Déjà, c'est pas bon. Ok. Alors, pour annuler une bougie noire, une sorcellerie noire qui a été faite avec une bougie noire, c'est simple. Vous aurez besoin. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous allez sur Herboriste, The Herboriste Oriental. Vous tapez ça, du figel. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Du figel. Ça s'appelle comme ça. Figel. D'accord. Vous faites la traduction. Figel. Voilà. Il vous faut des feuilles de cidre. Si c'est des feuilles comme ça. Il vous faut 7. Ok. Il vous faut du péganum de Armala. 7 graines. Ok. Il vous faut du genévrier. Genévrier, voilà. Genévrier ou genévrier, voilà. D'accord. L'arhar, genévrier. Ok. Il vous faut soit du gros sel, soit le sel de gemme, ou si vous habitez en bord de mer, il vous faut l'eau de mer. Ok. Il vous faut de la lavande. Il vous faut du musc blanc. Il vous faut du musc noir. Alors, musc blanc et musc noir, vous prenez juste un petit bout de chaque, comme ça. Suffira, largement. Il vous faut la bougie noire. Il vous faut soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger. Si on vous a fait la sorcellerie noire pour vous séparer de votre homme, homme séparé aussi de son amoureuse, et ben, vous faites avec l'eau de rose. Si on vous a fait la sorcellerie noire pour vous détruire et pour que, par exemple, pour que vous ne, par exemple, pour la chance, là où vous allez, toutes les portes se ferment, vous utilisez l'eau de fleur d'oranger. J'espère que j'ai rien oublié. Ah, il vous faut du fessour, la résine de galbanum. Il n'y a que ça. Bon, il y a des fois, vous savez, traduction, fessour. D'accord. Il vous faut des feuilles de henné. Alors, si vous n'avez pas de feuilles de henné, vous prenez 7 cuillères à café de henné en poudre. Mais le mieux, les 7 feuilles de henné. Bon, c'est pas grave si vous ne trouvez pas. Ok. Il nous faut un grand récipient. Il nous faut un linge sale ou une photo. De vous. De vous, hein. Si vous êtes en couple, vous pouvez mettre avec dans le récipient votre homme, d'accord, votre conjoint ou que vous soyez marié ou pas. Si vous avez des enfants, vous pouvez mettre aussi, je ne parle pas d'enfants de bas âge, hein. Non. Les enfants en bas âge, non, c'est les enfants grands, on va dire, adolescents, d'accord. Soit la photo, soit votre linge sale, soit le linge sale de la personne, soit leur photo ou un truc comme ça. Les photos sans lunettes solaires, sans casquette, sans chapeau. Vous allez prendre une bougie noire. Il vous faut du miel. Parce que pour l'annuler, au fait, eux, ils prennent la bougie noire. Ils écrivent votre prénom et ils vont mettre des saloperies là-dedans. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'ils mettent. Mais vous le savez, de toute façon. Voilà. Alors, on va continuer. Pour pas mettre 10 ans, vous attendez une nuit ou pendant 7 nuits, par exemple, les 7 nuits, il faut pas qu'il y ait d'orage, il faut pas qu'il y ait de pluie, il faut pas de grisaille. Il faut que tout soit, par exemple, le ciel soit nickel. On s'en fout s'il y a 3 ou 4 nuages qui se baladent ou d'une dizaine, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire surveiller la météo dans une semaine, qu'ils annoncent pas pluie, orage et tout ça, ça c'est pas bon. Vous allez prendre la bougie, soit vous la purifiez
avec l'eau de fleur d'oranger, soit eau de rose. Par contre, dépoussiérer avant, d'accord, et la rincer avec soit l'eau de rose, si vous vous êtes séparés, par exemple, on vous a fait la sorcellerie de séparation, soit eau de fleur d'oranger, d'accord, si on vous a fait un blocage au niveau travail, au niveau chance avec des gens ou peu importe. Ok. S'il y a des trous ou il y a des rayures, essayez de prendre un truc pour gratter et la lisser. D'accord? Mais dépoussiérez et rincez-la bien. Ok. Un petit peu la mèche comme ça. On va prendre soit l'eau de mer si vous habitez en mer. Pas l'eau de lac. Non. Si, ça existe un lac salé. Les lacs salés, ça existe. Mais pour le trouver, le lac salé. L'eau de mer. Si vous habitez en bord de mer, si vous habitez loin de la mer, il vous faut du gros sel, mais pas le sel fin. Non, du gros sel. Ou le sel de gemme. Alors, ce que vous allez faire, on met l'eau. Allez, 1 litre. Si vous êtes, par exemple, une famille nombreuse et vous voulez faire votre conjoint et votre conjoint ou conjointe, avec les enfants, mais pas les enfants en bas âge. Non, les enfants, c'est-à-dire adolescents. D'accord? Alors, vous mettez 2 litres avec 2 bons verres, soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger, mais 2 verres à eau. D'accord? 1 litre, si vous êtes seul, vous le mettez. Vous mettez soit des photos, soit le linge sale de votre famille, ou si vous voulez faire que pour vous, vous mettez aussi linge sale que pour de vous, ou photos. D'accord? Sans lunettes solaires, sans casquette, sans chapeau. On les mettait dedans. Et on va mettre tous les produits, les feuilles de cidre, genévrier, la lavande, le figel, je ne sais pas comment on l'appelle en français. D'accord? 7 péganums de Harmala. Harmel. D'accord? Si vous n'avez pas l'eau de mer, vous mettez l'eau de source ou eau de pluie, mais pas l'eau du robinet. On met une bonne poignée ou 2 bonnes poignées, tout dépend de la quantité d'eau. D'accord? De sel, de gros sel ou sel gemme, de gemme. Alors, soit l'eau de rose ou eau de fleur d'oranger, on ne mélange pas les deux. Soit on met, pour 1 litre, on met un bon verre à eau, soit le verre, soit eau de fleur d'oranger, soit eau de rose. D'accord? On met le fessour, la résine de galbanum, on met un bon morceau dedans. Comme ça. Un morceau comme ça suffira. On va mettre l'eau de. On met le musc, un petit bout comme ça, noir. On met le musc blanc, un petit morceau aussi. Soit vous l'émiettez, soit vous les mettez dedans pour les deux muscles. On met, si vous avez des feuilles de henné, on met 7 feuilles. Sinon, vous mettez en poudre, vous mettez 7 cuillères à café. 7 cuillères à café. D'accord? J'ai oublié quelque chose, il me semble. Les feuilles de cidre, le figel, tout ça. N'oubliez pas 7 péganums de Harmala qui est le Harmel. D'accord? Et vous laissez 7 nuits, c'est-à-dire après le coucher du soleil. Attention s'il y a des rayons de soleil. Non. Sous les étoiles, couvert dans la bassine. D'accord? Vous prenez la bougie, vous la trempez dedans. La bougie, dans ce mélange-là, on met la bougie qu'on a nettoyée, on la trempe dedans. C'est-à-dire le soir, on sort. Évitez quand il y a la pleine lune. Ne le faites pas. Parce que ça, vous allez être agité, énervé. C'est-à-dire nuit étoilée pendant cette nuit. La nuit, il n'y a plus de rayon de soleil, on sort la bassine. D'accord? Le matin, 4 heures, on la rentre. Il ne faut pas que le soleil touche ça. Pendant cette nuit, d'accord? Pendant cette nuit, vous avez fait, d'accord? Dernière nuit, on attend le matin, 4 heures du matin, on la rentre. Si ça tombe par un mardi soir, on ne le fait pas. Mercredi, la journée, on ne fait pas. Vous attendez mercredi soir à la nuit de jeudi. Vous laissez sécher, mais on couvre. D'accord? On sort ça de la bassine. D'accord? Ça, on laisse. On ne touche pas. On sort la bougie. Et on la laisse sécher et on attend mercredi soir. Couvrez-la et cachez-la, la bougie. On attend mercredi soir. D'accord? Mercredi soir. Et vous allez
elle a séché et on va la mettre, d'accord? On va, excusez-moi, on va écrire votre prénom et le prénom de votre maman. Ça veut dire Nadia, fille de Martine, ou par exemple Karim, fille de Fatima. Annulation 7 fois. Vous écrivez annulation, annulation avec un truc en métal. Avec un truc en métal, c'est-à-dire une aiguille à couturière. Les petites épingles. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre une aiguille. Non, pas une aiguille, mais une épingle à couturière. D'accord? D'accord, vous écrivez votre prénom, le prénom à votre maman. Homme, il écrit son prénom, fils de tel. Annulation, annulation, sur la même ligne, annulation. Écrivez tout petit. Vous commencez toujours là. Annulation, annulation, 7 fois. D'accord? Et vous écrivez plus rien. D'accord? Vous ouvrez la fenêtre et vous allumez ça, la bougie. D'accord? Et ça y est, ça a été étoilé 7 nuits. On va le mettre dans une casserole et on va laisser bouillir en laissant les fenêtres ouvertes. Si vous avez des enfants, par exemple, qui sont dans la chambre, n'ouvrez pas leur feu parce qu'on ne sait jamais. Vous ouvrez cuisine, salle de, pas la salle de bain, ni WC. Vous fermez les portes et vous laissez bouillir. Vous faites bouillir tous les jours pendant 7 jours. S'il manque de l'eau, vous rajoutez de l'eau, mais pas du robinet, attention. Toujours les mêmes produits, on rajoute rien. C'est les produits qu'on a mis, d'accord, on les fait bouillir tous les jours. Si vous voyez qu'il manque encore de l'eau, vous rajoutez pendant 7 jours. Vous le faites le matin, ça, c'est mieux. D'accord? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas d'où tous les produits. N'oubliez pas les 7 feuilles de henné. Et l'eau, on verse loin de chez nous un arbre. D'accord? Ce mélange, on l'enterre. La bougie, elle a fini. S'il reste un fond, ça y est, on laisse consumer entièrement et on la jette loin de chez nous. Ça, c'est pour annuler une sorcellerie, mais ce n'est pas pour se purifier. À bientôt!